Il y a une ligne qui s'appelle Cha-Cha, que j'avais vue, qui est vraiment pas là, dans la section des toits, un peu tout cassé, qui est vraiment là sur une partie du mur, un petit peu, je dirais, un petit peu oublié. Un mur qui est légèrement déversant. Cha-Cha, c'est vraiment une ligne là, qui est directe jusqu'en haut de la paroi. Fait que ça m'inspirait énormément. Donc, bien, c'est ça, on parle d'un début de voie là, qui est vraiment complexe, très bloc. Donc, on embarque dans la voie, tout de suite, on embarque dans un crux. Là. C'est pas comme si on pouvait prendre des petits chèques, des petits repos comme on veut. Vers la fin du premier crux, avec la prise de main dans le toit, il faut vraiment que j'aille porter un crochet d'orteil pour pouvoir atteindre des prises qui sont plus loin. Puis après ça, on enchaîne avec quelques mouvements qui sont plus modérés pour une ou deux dégaines. Jusqu'à un repos, vraiment, qui est le seul repos de la voix. Puis après ça, le mouvement qui suit, pour moi, ça a été un mouvement qui m'a donné quand même pas mal de fil à retordre. Pour la plupart des gens qui ont un petit peu plus de longueur, là, c'est vraiment c'est un gros move. Moi, c'est carrément là, un mouvement dynamique qu'il a fallu que j'apprenne à contrôler parce que je partais toujours en porte de grange puis j'avais de la misère à estiquer. Fait que ce move-là, en sortant du repos, puis après ça, c'est vraiment un enchaînement là, de mouvements vraiment en résistance. Là. Fait que là aussi, on oublie ça, là, les repos, puis... tout ça, il faut vraiment juste y aller, avoir vraiment les mouvements dans la tête. Puis après ça, ben il faut bien gager ses affaires parce que après ça, on en rentre dans le crux final qui est vraiment un problème de bloc là, sur des slopes qui sont vraiment super mauvaises. Bon, moi, ça a été vraiment... il a fallu vraiment que je rentre dans ma bulle puis que j'essaye vraiment d'être le plus créative possible. En plaçant les pieds vraiment vers la gauche pour pouvoir aller simplement atteindre la slope de droite. Donc, j'ai trouvé des micro-pieds qui sont pas vraiment des pieds, là, mais bon, quelque chose qui me permettait de traverser. Puis d'aller mettre un genou droit. Puis bon, avec le genou là, ça me permettait d'atteindre la prise, la prochaine prise qui est une bonne prise finalement. Là. Mais c'est ça, il y avait toute une traverse, toute une histoire de jeu de pied finalement qui a fallu que je trouve pour pouvoir juste vraiment réaliser ce mouvement-là. Il n'y a absolument personne d'autre qui fait ça. Là. Je ne sais pas si un jour quelqu'un d'autre va refaire le même bêta non plus. Là. La dernière partie de la voie, c'est vraiment juste de la belle escalade, peut-être dans le 11 plus, 12 moins, pour deux dégaines. Puis après, ben, c'est le top du cliff.